Et yo tout le monde, c'est Sketch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera pas trop une vidéo Fortnite. Enfin, aujourd'hui, Chagrin m'a envoyé leur solo build qu'on va réagir. C'est un concept que j'ai repris quelques youtubeurs anglais et français. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti. Juste ici, j'ai tous les solo builds de tous les rangs qui va de bronze à Unreal. Et on va tout de suite commencer par le rang bronze. Mais juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche de notification et à lâcher votre plus gros like en route vers les 1K500. On peut le faire. Laurent Bronze, c'est le youtubeur SD. Bien sûr, tous les gens qui vont passer sous cette vidéo, bien évidemment, toute leur chaîne sera en description. C'est parti! Alors, on voit qu'ils galèrent un peu à construire. Je pense pas que en game ils prennent Battle Royale avec Blizz. Ok, c'est la fin du clip. Donc en vrai, pour un rang bronze, je trouve que ce qu'il a fait, c'est pas si mal. On voit que bah il s'est edit. Pas rapidement, mais il sait. Il sait construire. Il sait bien se protéger. En vrai, pour un rang bronze, je pense que c'est le minimum. Passer au rang argent, qui est The Legend of Ralph, le monteur. Et moi. Merci à lui d'avoir participé à cette vidéo. Sa chaîne en description. Tous ses réseaux d'ailleurs. Et c'est parti. La qualité est nettement meilleure. Ok. Ok, on voit qu'il sait construire. Les edits, c'est pas trop ça. Mais pff, il a une sensi hyper haute par contre. Grâce à cette vidéo, on va pouvoir voir comment les gens voir la sensi de tous les joueurs. Mais franchement, The Legend of Ralph, il a du potentiel. Sauf que sa sensi est beaucoup trop haute par rapport à son gameplay. Faudrait qu'il baisse sa sensibilité. Et là, je pense qu'il pourrait bien faire ses edits et bien construire. Il sait faire les edits murs. Fenêtre mur comme ici. Voilà, il vise, il tire, c'est assez bien, il a un bon réflexe. Donc pour un rang argent, c'est sûr que c'est meilleur qu'un rang bronze, c'est sûr. Mais c'est aussi le strict minimum. On va tout de suite passer au rang or. Et le rang or qui est Dark Shadow. Donc sa chaîne en description également. Donc c'est parti, on va visionner ça ensemble. La qualité est nettement moins meilleure, mais il est en mode performance. Sa qualité aussi beaucoup trop haute comme The Legend of Ralph. Faudrait faire attention à la sensibilité. En fait, il faut savoir jouer les sensi. Parce que là, il a une sensi beaucoup trop haute. Sait pas la gérer. Vous voyez l'edit, il sait pas la gérer sa sensibilité. Donc faudrait qu'il la baisse. Il sait faire les edits. Il sait bien faire les edits. C'est sûr que c'est pas rapide, mais il sait les faire. Il sait un peu fail. Les 90, il gère, mais sa sensibilité est beaucoup trop haute. Il sait gérer, mais il sait pas gérer sa sens. Malheureusement. Je vous
sais pas s'il y a après quelque chose dans le clip. Non. Ok. C'est la fin de ce troisième clip, Laurent. Or, c'est, je trouve, meilleur que les deux autres rangs, c'est sûr. Mais je pense que Laurent Argent peut vite détrôner Laurent Or. Parce que Laurent Or, comme Laurent Argent, ne savent pas gérer leur sensibilité. On va tout de suite passer au rang platine. Et Laurent Platine est tout simplement Snix, qui a également une chaîne YouTube. Tout le monde a une chaîne YouTube dans tous les cas, qui sera en description. Alors, il y a une musique, donc je pourrais pas mettre tout simplement la musique. Qualité un peu... Dommage que la qualité ne soit pas... ne soit pas magnifique, on va dire. Mais les edits, elles sont propres. Elles sont très propres. Pour un rang platine, c'est très très propre. Je pense qu'il peut détrôner les rangs d'au-dessus. On va se le remettre un peu une fois. Vous voyez que là, ces triples edits, elles sont propres. De fou, ils ne s'arrêtent même pas. Dommage qu'on n'ait pas en grand angle, parce qu'on n'arrive pas trop à suivre. Mais ces triples edits... En fait, ces triples edits, elles sont propres. Vous voyez que là, sa sensibilité, il sait jouer avec sa sensibilité, pas comme les autres. Pour un rang platine, je pense qu'il joue pas assez en ranked. Parce que ça, pour un rang platine, moi, je le mets en rang diamant. Facile. On va voir comment se débrouille le rang diamant juste après. Je pense qu'il a large la possibilité d'être diamant. Je pense qu'il joue pas assez en ranked. Parce que platine, avec un solo build pareil... C'est parti, on va passer pour le cinquième solo build qui est le solo build, un diamant. Et le solo build du diamant, c'est MPEC. Et c'est parti. Ok, la qualité est beaucoup meilleure. Ok. Ok, c'est pas du tout comme Laurent Platine. C'est sûr qu'il y a un gros décalage là. Bien sûr, j'ai trouvé des gens qui jouent. Bah, ça, c'est leur rang en ranked. En ranked, c'est sûr que tu vas pas faire des solo builds. Tu vas pas te taper ton meilleur solo build en game. Enfin, vous voyez. Donc, je pense que... elle ne fait pas assez de solo build. Enfin, elle ne s'entraîne pas en solo build, je veux dire. Après, c'est avec de l'entraînement. Elle fait ses triples edits, même si c'est lent. Mais, c'est propre, quand même. Je pense que Laurent, son rang, en termes de solo build, il n'est pas mérité. Après, son rang en ranked, je ne sais pas, je ne peux pas évaluer le niveau de tout le monde. Mais son niveau en solo build ne mérite pas le rang diamant. Je pense qu'il faudrait inverser les deux ici. Et c'est parti pour le solo build de l'élite qui est Wazix, tout simplement. Beaucoup de gens connaissent Wazix quand même. C'est un abonné qui est pas mal sur les lives. Pour ceux qui regardent les lives, il est tout le temps là. Et je le remercie. Donc c'est parti. Ok, qualité incroyable. On peut rien dire sur ça. Des edits très propres. Voyez ? Ça mérite largement le rang élite. Certes, un petit fail, mais ça arrive à tout le monde de faire des fails. C'est hyper propre, c'est hyper fluide, on peut rien dire sur ça. Juste regardez ces edits, comment c'est fluide. On va voir après comment le rang champion se débrouille.
Et ça, ça mérite largement le rang élite. Mais largement. Ouais, ouais, c'est beau, c'est beau. Non, on peut rien dire, c'est très beau, c'est hyper fluide. Il a une grosse une grande sensibilité, on va dire, mais il sait largement la gérer. C'est beau à regarder, je trouve. Non, non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On peut rien dire, c'est hyper beau, c'est hyper fluide. Ça mérite largement le rang élite, mais largement. C'est parti pour le 7ème solo beat, qui est le solo beat tout simplement d'un champion. Le champion qui est Tyson. Et c'est parti. La qualité qui est nettement moins bien, mais je pense que c'est dû au transfert et tout. C'est propre de fou. Un solo build n'est pas un vrai solo build sans un fail. Sachez-le. C'est propre de fou. Il n'y a aucune arrêt. Il y a zéro arrêt. Il ne s'arrête pas. C'est propre de fou. Malheureusement, la qualité, elle est basse. Mais c'est propre de fou. Non, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Ça, il mérite largement son rang champion. C'est hyper fluide. Le rang élite, le rang champion, ils méritent tous deux le même rang. Enfin, le même rang. Leur rang actuel. Je pense que celui élite mérite largement aussi de gravir champion. Et le champion mérite largement de gravir en élite. Mais c'est propre de fou. On va passer au dernier solo build. Et c'est le solo build de Nashigato. Nashigato qui est un streamer youtubeur également. Il est Unreal, des Unreal. Il y en a une que vous pouvez retrouver directement sur YouTube. Il y en a une qui m'a envoyé. Je vais enlever le son. Donc ça, c'est celui qui m'a envoyé. Alors, si je vois bien, c'est clavier souris. Donc de base, il joue manette. Faut savoir. Il faut sachez. En vrai, c'est propre. On va regarder l'autre qui est au ralenti, que vous pouvez retrouver directement sur YouTube. Et même au ralenti, vous pouvez voir tous les détails en fait. Genre, il retourne en arrière, il réédite le bail. Non, j'avoue que c'est propre. Regardez juste, il revient sur ses pas. Là, il édite, paf, paf, paf. Il revient en arrière. Il réédite tout ce qu'il a édité auparavant. Non, c'est franchement, faut vraiment être un rang Unreal pour avoir ce solo build incroyable. Franchement, il n'y a rien à dire. Tout le monde mérite son rang. J'ai pris en fonction du rang en ranked. Mais sachez que même quand t'es Unreal, tu peux très bien avoir un solo build d'un joueur bronze, tellement il y en a qui s'en font pas. Par exemple, je prends l'exemple du rang diamant. Le rang diamant, je pense pas qu'elle fait beaucoup de solo build tous les jours comme le rang NL par exemple. Donc c'est sûr que le rang platine va être peut-être au-dessus du rang diamant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, vous savez quoi faire. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, c'était S4.